Salut tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons pour la suite de Evoland. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. On va lancer ça tout de suite, c'est parti. Donc, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois je devais aller parler au mec des cartes qui est chauve, qui se trouve juste là-bas. Par ici, voilà là. Tac, des bombes, 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 bombes. J'ai pris ma retraite de l'armée de Demacia il y a 30 ans. Attends, donc là c'est une référence peut-être à League of Legends, il s'appelle Garon. Et il a pris sa retraite de Demacia, putain. Mais. Tu devrais parler à l'infirmière au nord. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur Aoga et ses habitants. Alors si c'est ça, c'est... c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu cherches des bombes, tu devrais aller voir la vieille dame près du puits. Elle garde tes souvenirs bizarres dans sa cave. En tout cas, j'ai bien fait de commander cette crème contre les brûlures graves. Bon, ok, ils me font tourner en rond, c'est génial. C'est pas trop grave, on a l'habitude. On évite, hop. Donc la vieille qui est juste ici. Des bombes, tu dis. Oui, j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre, mais je suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Oh, mais c'est bon, hein. Il y a un gros dans un autre tour du village. Ok, il faut se débarrasser de cette créature. Ok, Raylan était de garde cette semaine. Il devrait pouvoir t'en dire plus. Toi, entrée sud du village. Alors, entrée sud. Je suppose que c'est là. Le dragon est bien personne à l'avait vendu, mais j'ai vu des traces sur le sol, des gros cratères bien ronds et tout brûlés. J'ai même dit à ce gamin de rentrer au village. Je le vois toujours en train de jouer près des cratères. On ne peut pas laisser un enfant jouer alors qu'un dragon rôde. Tu devrais parler à sa mère, elle habite à côté de chez Sid. Oh là là, ce qu'ils sont chiants. Elle habite à côté de chez Sid, allez. On va chez à côté de chez Sid. Ouais. Alors, je suis parti là, pour faire tout le tour, pour revenir à la dame qui est juste à sa droite. C'est ce qu'on peut savoir que les dragons n'existent pas. Ce satané gamin a dû voler les bombes dans la cave de la vieille dame. Il me semblait bien que ces pétards étaient un peu gros. Dis-lui de te donner les bombes, j'espère que tu feras un meilleur usage. Eh ben... Casser la gueule à ce gamin, non mais oh... Il aurait pu me les donner plus tôt quand même. Les bombes! Bombe? Clink! Oui. J'apprends au sort, c'est bien. As-tu trouvé les bombes? Je crois que oui. Ouh! J'ai les bombes! Parfait, allons bosquer secret au sud du village. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais utiliser mes bombes, je vais utiliser mes bombes. Bon, 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 bon. On est vite. Alors, on sauvegarde parce que je vais pas aller refaire tout le dialogue avec ces pecnos là. À gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et voilà, on a fini. Donc maintenant que j'ai mes bombes... Bah, j'aimerais bien en fait aller trouver des objets dans le donjon. Qu'est-ce qu'elle a fait comme ça, en vrai? C'est cristal, tiens. Ah, c'est déjà mieux. Bon. Ce sera la gueule à l'autre. Ou alors on va voir qui a tué. Bon, tant pis. J'ai fail. Je peux voir les dégâts qu'elle met à la tortue avec son machin, mais bon. Peut-être plutôt maintenant. On va essayer ça. Ah, ça fait quand même des dégâts. Hein. Level 7, level 7. Ça, c'est plutôt cool. Alors, vite, 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 on retourne au donjon. Enfin, aux mines de la Moria. Avec Link, tu vas t'occuper de l'abeille. Tu vas utiliser ton sort sur lui. Pas marrant. Ok, on y va, on y va, on y va, on y croit, on y croit. Mais non! C'est incroyable. Que je m'en sors de soin, c'est une bonne idée, je crois.
Alors, mine de la Moria, voilà, on y est. Comment je disais, bombes. C'est bon. Et donc voilà, nous nous retrouvons, j'ai coupé le passage parce que c'était un peu long, je suis retourné donc dans le donjon à faire toutes les salles avec les bombes, je m'amusais à poser mes petites bombes et à faire tout péter. Et donc j'ai récupéré pas mal de coffres, j'ai même retourné jusqu'au tout début du monde pour recasser deux pierres, si vous vous souvenez bien, il y avait deux pierres qu'on avait cassées sur le chemin tout début pour récupérer des objets, j'ai récupéré deux cartes dessus, voilà c'est plutôt cool. Et j'ai remarqué qu'il y avait un bug ici, on peut relancer le combat du boss, voilà, ça relance le boss, hop, quelque chose approche, pouf. Donc il est de nouveau là, on peut le rebattre. Sauf que ben on peut s'amuser à le rebattre ou on peut tout simplement s'enfuir parce que ben on a ouvert les portes. C'est un peu con mais voilà. Juste pour vous signaler ça. Donc il faut que j'aille au sud du village. Hein. Alors. Des champignons. Je vais lancer un soin à la madame, parce que. Dans une impasse sinon on va prendre très cher. Alors tu as tué le deuxième champignon, il y a par ici. Hop. Ouais parce que je vous ai coupé en fait parce que sinon ça faisait combien 16 minutes de vidéo où je retournais uniquement en arrière et je pense pas que c'était très intéressant. Et j'ai trouvé comment ben revenir en arrière une fois qu'on a sélectionné une action, on appuie sur échappe tout simplement. Donc, voilà c'est cool. J'ai pas pensé sur le coup mais là je me dis mais échappe ça va sûrement marcher et puis j'ai essayé pour que ça marche. Donc voilà. Ouf. Voilà pour tout ce qui s'est passé. Donc rien de bien important, ne vous inquiétez pas. Et voilà ça c'est fait. Donc au sud. Donc une guêpe. Aïe. De moins bon, c'est pas encore détruit le tour du village en fait j'ai pas tout exploré autour, tu vois vite fait ça c'est quelque chose. Toi tu tues, tu utilises ton sort de glaçon sur la tortue. Pourquoi j'ai tapé au bâton? Ah c'est parce que je savais qu'elle allait achever avant qu'elle repuisse attaquer, je le savais. Ah si 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 je le savais hein. Faites pas genre. Alors après on peut pas passer les arbres donc ça c'est bien, moi je suis en courant maintenant. Il est vraiment papier en héros j'ai l'impression. Donc il me faudra 10 000 pour la carte. Et je crois qu'il y a une nouvelle armure à 1000 ou un truc du genre. Ce serait bien de récupérer ça quand même, ça pourrait pas mal m'aider je pense. Parce que l'héros il prend super cher. Hein. Encore mes stats. On va voir combien j'ai d'or, voir si je peux vite. Non, non, non. Je crois que j'ai assez pour l'armure, donc on va vite faire ça. Hop, on sauvegarde rapidement. Ouais, puisque si je suis en papier là, je vais prendre très très cher, je pense, pour le prochain petit donjon là. Enfin, si c'est un donjon. Enfin, le dragon. Alors, acheter armure d'argent. Ouf. Il me faut 10 000 maintenant pour ça. Au menu principal, non non non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc en espérant être solide maintenant, ça serait cool. Parchemin de maîtrise du cristal, armure d'argent, armure de cuivre, j'ai les deux en une, j'ai les deux sur moi. Ouais. Alors, on sauvegarde. Voilà. Alors. Je crois qu'il y a rien qui est possible à. En derrière le village, enfin je me dirige tout simplement. J'ai l'impression que ça va passer. Non, on peut rien faire. Donc, on va vraiment aller là au sud, comme c'était prévu à la base.
Ah, j'ai pitié de mon héros qui arrive pas à tuer ses champignons en un coup encore. Hein. J'ai eu l'arme ultime, mais il arrive pas à les tuer. Enfin, de temps en temps, il arrive, mais c'est vraiment quand il veut, quoi. Merde. Connerie. Ouais, j'ai balancé pas mal de soins avec elle, histoire d'être bien tranquille. Ah, maintenant, elle ne met plus rien, la tortue. Je vais mettre un petit coup de sang. Et non, même pas morte. C'est-à-dire, et hop, suivant, mais non. Alors, on continue. Hop. Nous avons dans une forêt de trucs orange. Alors, bombe, bombe, bombe. Boum, ouais. Bombe, 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 bombe. Même si ça sert à rien, il peut permettre. Voilà, parce que c'est des bombes. Et les bombes, c'est la classe. Alors, un petit arbre qui me barre la route. J'ai un Pokémon avec l'attaque coupe qui peut m'aider. Non, personne. Bon bah tant pis, je vais me débrouiller tout seul. Hop. C'est génial. Ah, c'est génial. Viens te battre. Haha, tu fais moi le malin. Bon, il y a ses cheveux qui giclent, il y a un petit pixel qui gicle derrière, et il ouvre sa bouche. Bon, ok, je m'attends. Il n'a pas brûlé les petits arbres. Je peux pas le pousser. Chier. Ah, c'est vraiment cool ça, les transitions, c'est vraiment sympa, je trouve. Il n'a pas brûlé les petits arbres, je t'en donnais, moi. J'arrive pas. Bon, on va passer par là. Paf. Paf, paf, paf. 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 Elle est vraiment sympa la musique, elle reste dans la tête. Hein. Alors. Ok, ok. On va y aller tranquillement. Ok, ok, ok. Ah, bah, ça a l'air bien, ça a l'air bien là. Ça, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ouais. Ok. Ah. Oh non. Ok, concentration. C'était ici, je crois. Ouais, yeah, que c'était là. Ok. Bon, calme. Calme, restons calmes. Non. Oui. Le marqueur. C'est gentil. Non, là, c'est une impasse. Oh. Mais... Genre déjà elle traverse le mur et après elle me pousse dans le vide, ok, ok. Alors, un mur secret, ça c'est fait. Une étoile, putain, alors celle-là elle est bien bien cachée quand même. Hein. On vérifie, hein. Des fois ils aiment bien en mettre deux à la suite, hein, des murs en secret. Je me dirige vers le bas. Oh, y'a rien. Bon. Bon, bon, bon. Bon. Ouais. Crème étoile, je pense. Ouais. J'en suis à combien d'étoiles? 15. Encore beaucoup, hein. Ouh, fou, 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 fou. Dégage. Non mais... Oh, le bruit horrible. Mes oreilles. Stop. Stop. On a une alarme de réveil qui sonne. C'est horrible. Oh, putain, je suis désolé hein, de vous faire subir ça. Ah, 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 ça vous fait souffrir, hein. Ah, moi aussi, hein, ça me fait
pêcher. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Bon, on va essayer de pas mourir surtout en fait. C'est la mission du jour là. Ok, cul-de-sac ici. Ok, 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 ok. L'arc. Et ouais, qui c'est qu'à l'arc maintenant? Qui c'est qu'à l'arc? Tiens. Ne pas mourir, ne pas mourir. Ne pas mourir. Oh, ce bruit. S'il vous plaît, stop 2 secondes. Mon dieu, mes oreilles. Faut pas mourir. Ouais, ouais, ouais. Ah putain. Ah, ça fait du bien, tiens. Ah, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Ok, ok. Ok, ok, ok. Fais ton malin, toi. Quoi? 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 Il est invincible! C'est pas possible! C'est bon, ça s'est fait. Et bim! Dans ta gueule! Et bim! Ok. Comment je pourrais aller là-bas? Ça n'a pas l'air facile tout ça là. Alors là je suis un peu paumé. Je m'éclate, j'ai pas le droit. Oh, dans ta gueule. Ok. Merde. Mais là, je sais toujours pas comment y aller. Mystère et boule de gomme. Si quelqu'un a une idée dans les commentaires, n'hésitez pas. Faites-moi un signe. Ce serait très gentil de votre part. Une étoile. Wouh. Ah, ça me stresse, ça me stresse. Je vais essayer de comprendre comment on passe parce que là, c'est pas normal. Je crois avoir une idée, Si je pose une bombe et que je passe là. Oh, 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 génie! Kefka's Ghost. Maintenant je suis bloqué à vie. Mais non, faut refaire la même chose. Ça c'est vraiment très bien pensé comme mécanique de gameplay, j'aime bien. Pas très compliqué mais réfléchir 2 secondes et ça passe. Je m'étais dit, faut que je sois de l'autre côté, on est en, dans le monde passé. Enfin je fais, comment? Bombe, bombe, bombe. Et voilà, ça m'est venu en tête. Aïe aïe aïe. Meurs. 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 Bombe. Voilà. Ah, cette musique, elle va me rester dans la tête, je sens, pendant des semaines et des semaines maintenant. Bim.
Bim, boum. Une étoile. C'est bien gentil. Attends, comment j'ai fait ça? J'ai tiré une flèche à droite en regardant devant. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Et ouais. Donc je crois qu'il faut que je me remette en tout petit. Enfin, en tout petit dans le passé. On pourrait utiliser la même superbe technique, même si je doute qu'elle marche. Là, ça m'a l'air un peu trop loin. Ok, on va réfléchir un peu alors. À part le cristal là, je n'arrive pas à atteindre. Peut-être depuis un autre point, on va essayer. Non, je suis complètement con en fait. Depuis tout à l'heure, j'avais la réponse en face de moi. Du feu, du feu, du feu, du feu. Alors. Alors, qu'est-ce que vous préférez le plus, la version donc rétro, celle-là, ou la récente du jeu? Une grande question philosophique. Dites-le dans les commentaires, hein. Moi, j'aime bien les deux, mais j'apprécie vraiment la rétro, j'adore ça, donc, forcément. Ah! Ah! Tiens! Bim dans ta gueule. Une pierre alors qu'il y a un chemin avec des puissants à côté. Aucune idée. Donc réfléchissons un tout petit peu avant de faire n'importe quoi. Une statue. Prévire allumer, mais feu pour entrer. Allumer. D'accord. Alors là je peux déjà en allumer un. A priori hein. On va essayer en faisant comme ceci. Ok, donc ça on a bel et bien allumé un. Alors maintenant. Ils ont dû mettre une touche raccourcie directement qui ne fait passer une larme à l'autre. Un petit peu dommage ça. Je crois que le deuxième on l'allume en tirant comme ça. Ouais. Vous avez voyagé tous entre le présent et le passé. C'est gentil. Est-ce que j'ai bien fait de redonner dans le présent là? Non, puisque c'était saloperie là. Je le savais, je le savais. Je boule ce machin en fait, est-ce que je peux comme ça? Voilà. Aïe aïe aïe, cette musique. Elle est bien quand même, elle est sympa, sympathique. Il y avait vraiment encore des énigmes avec des trucs de feu plus loin, mais je sais pas si c'est de ce côté qu'il faut le faire ou si c'est une fois qu'on a traversé ce machin. Ah
Hop, ça c'est fait, c'était pas très compliqué. Ah, une grille qui se ferme, clac. Oh non. Pas des mages. Vous voyez qu'ils sont gros, qu'ils sont casse-couilles leur, leur mage. Allez. Première partie de l'amulette. Ah, donc ça permettra de rendre actif le machin. Mais d'abord, les bombes. Voilà, parce que si vous aviez l'œil, vous avez remarqué qu'il y avait un trou là, enfin une fissure. Donc forcément un coffre derrière. Une étoile ou une carte, je suppose. Une étoile encore une fois. Ah mais ça va être dur à toutes les trouver, hein. 18 sur 30 c'est déjà pas mal mais... Les cartes 13 sur 23 ouais c'est pas mal aussi mais... Je sais pas trop, je pense que j'en ai déjà raté quelques-unes quand même, 1, 2, 3 en tout cas. Oh, cette musique. Alors, par ici. Et activation. Tiens, dans ton cul. Pardon. Non, non, c'était pas vulgaire. Hein. Mmh, je vais m'amuser avec le feu. Alors... Ils font le même bruit que dans Mario, les mêmes octopus. Les octopus font 6 bruits, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai... Je pense qu'il y a des chances qu'ils font ce bruit. On va vérifier. Il y en a un d'entre vous qui s'en souvient et qui arrive à vérifier ça. Dans Mario sur Game Boy, comment ça s'appelle? Le premier du nom, je sais plus son nom, c'est machin. Je suis désolé, aucune idée, ça me revient pas. Je crois que c'était Super Mario Land, hein? Ouais. Un truc dans le genre. Oh non, il y a l'arbre juste. L'arbre. Juste. Qui bloque la route là. Alors utiliser son cerveau. Allez, on y va. What? Bon, de toute façon, ça a l'air de pas suffire. Il faut que je repasse de l'autre côté, en fait. Je pense que j'allume tout de l'autre côté et que je fasse brûler le petit arbre de l'autre côté. Alors, on y va. Tac, 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 tac. Merde, faut que je revienne dans le présent. Eh ben, enfin dans le passé. Ça va être très compliqué. Alors, ça s'allume du coup. On prend le petit arc, tac. On fait schlac. Ok. On fait bam. Et on fait bim badaboum. On fait tac. Alors, ouais, ça m'a l'air tout bon. Il faut que je repasse de ce côté, que je me remette en taille monsieur. Depuis ce point-là. Clac. Voilà. Ça certainement pour juste une carte. Je pense que ça va être ça en plus. Allez monsieur. Pardon.
Alors, allez, on y va. Ta gueule. Non, je n'ai pas dit un mot vulgaire. Non. Kairis. Hey, c'est mon ami. Cool. Je l'ai en carte. Non, n'imaginez pas des trucs de pervers. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse directement. Alors. Regarde autour de toi. Je regarde. Tous ces arbres sont morts. Ils sont pas morts, ils sont juste brûlés. Ça va? Voilà comment ça comble le bosquet sacré. Nous devons vite entrer à Augai et parler à mon oncle. Nous devons trouver la deuxième moitié de l'amulette. Avant qu'il soit trop tard. Ok. Ah, j'ai quitté la forêt comme ça. Cool. Wow, les boules. Je vous jure, ça m'a fait peur. C'est parce que ça fait un moment que j'ai pas eu des combats comme ça qui apparaissent beaucoup. Eh ben, ça fait plus mal que toi, t'as pas honte? Ouais, 28 de dégâts. Oh là là, ridicule. Non, les coups bâtons ça compte pas. Hein. On peut pas comparer ça. Hop, donc. On va sauvegarder un petit coup. Regardez combien d'argent on a. 1200 seulement. Mon dieu. Il faut 10 000. Monsieur l'oncle. Bien joué, vous avez la première partie de la l'amulette. Merci. Vous devez maintenant aller aux ruines de Sarunak pour trouver la deuxième moitié, d'accord? Vous trouvez les ruines au nord-est d'Augai. D'accord. Mais à part ça, les amis, je crois que je vais vous laisser là encore une fois. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Je sauvegarde ici. Pouf. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Dites-le si le jeu vous plaît dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Sur ce, à la prochaine. Ciao !